Hey, salut tout le monde, c'est Dark Fujet, comment allez-vous? Moi je vais super bien et j'espère que vous aussi. Alors aujourd'hui on se retrouve au week-end sur Origin, donc la vidéo sera probablement sortie et le jeu ne sera plus gratuit parce que, étant donné que je tourne, on est dimanche, demain c'est censé être fermé, et oui, parce qu'il laisse quelques heures en plus lundi, donc voilà. Mais le temps je fasse les rendus, surtout qu'actuellement j'ai un petit problème, tant que la vidéo sorte. Non, voilà, ça sera trop tard. Donc, je préfère vous faire une petite vidéo dessus. Alors, il y avait aussi plein de zombies. Je voulais faire une vidéo dessus, mais je sais pas, j'ai eu un problème. J'étais obligé de supprimer le jeu et la vidéo. Parce qu'en fait, j'ai eu le petit souci. C'est qu'en fait, on m'entendait pas. Le son du jeu était trop fort. Et puis, bah, j'ai désinstallé le jeu aussitôt. Puis ça buguait à mort en fait avec Fraps, et là Titanfall j'ai testé vite fait avant, ça bug moins que Plants vs Zombies, je sais c'est bizarre, et pourtant mon PC n'est pas le meilleur, vous allez voir dans les graphiques, dans les graphismes du jeu, c'est pas waouh, voilà c'est la Xbox One, ou wow, c'est un PC à 900 euros, non non, c'est un PC portable, c'est pas un Alienware ou un PC gamer, donc voilà, soyez indulgents s'il vous plaît. Et j'ai fait juste avant la, mince la, pas la démo mais le tutoriel, pour voir comment on joue vite fait, les petites manies du jeu, sauter contre les murs, le titan. Et franchement, j'ai adoré. Torel, il est très bien expliqué. C'est super simple. Et en fait, on est dans un espèce de module et ils vous disent comment, voilà, comment apprendre à jouer. Et votre vaisseau est en fait en déplacement vers la frontière qui est donc l'endroit où toute l'histoire du jeu se déroule. Et normalement, bah, je vais pas vous refaire le tutoriel, étant donné que je l'ai déjà fait. Enfin, ça serait bête. Donc là, vous pouvez voir que je peux jouer en multi, comme je peux jouer aussi en solo. Mais je vais jouer en solo, parce que... Non, je veux jouer en solo, je veux pas jouer en multi. Oui, menu principal. Le mode histoire, tu connais pas? J'avais cru comprendre qu'il y avait un solo. Boutique, intro. Bah, jouer. Attendez, si je fais intro. Non, ça, c'est l'intro du jeu. Je vous laisse voir parce que. Elle est sympa. Donc voilà, vous avez vu l'intro. Et j'ai l'impression que non, on peut jouer que en multi, mais c'est bizarre parce que pourtant. Y a une campagne, c'est ce que j'ai cru comprendre. Quand vous regardiez les démos de l'E3, tout ça, les gens qui jouaient, il n'y a pas que du multi, il y a aussi un mode campagne. Alors qu'est-ce que j'ai rêvé? Ou est-ce que c'était aussi pour apprendre à jouer? Je sais pas, mais il y a quand même une histoire.
On sort pas un jeu où il n'y a pas d'histoire. Je vois Titanfall. Non mais si j'ai envie de jouer en solo, hein. D'accord. Partie privée, bêta, c'est quoi ça? Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je vous promets. Je sais pas du tout. Je peux très bien vous trouver le solo comme je peux très bien vous faire de la merde. D'accord, en fait non, c'est un solo, mais en LAN si vous voulez. Bon, bah, on a plus le choix. Enfin, j'ai plus le choix surtout. Je vais devoir vous faire une partie en multi. Youpi! 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 Donc moi, qui ai quoi aller? 10 minutes, un quart d'heure de jeu sur le... Sur le didacticiel, je vais tomber contre des joueurs qui ont sûrement des heures et 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 des journées, ça se trouve, de jeu dessus. Ah là là. Ah non, campagne. Ouf. Il fallait la chercher, la campagne. Et donc, non, vous n'aurez pas de multijoueur, vous aurez la campagne. Quoique, attendez, j'ai un doute. Domination point clé. J'aime bien la map, l'image qu'ils ont fait. Il y a des squelettes partout, de bestioles gigantesques. Et des petites bébêtes qui volent. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça a l'air marrant. Ça doit être sympa à visiter. Ça doit être accueillant, vous trouvez pas? Quand vous voyez tous ces crânes, ces squelettes, ces bestioles qui volent. Qui ont 4 ou 6 ailes, j'arrive pas à déterminer. On dirait 4. Alors, cimetière, domination, point clé. Qu'est-ce que c'est? C'est la campagne? C'est. C'est multi? Enfin, je fais campagne, donc après, est-ce qu'il va me lancer à la campagne ou est-ce qu'il va me lancer multi? Parce que c'est l'accès gratuit. Donc, est-ce que l'accès gratuit est pas fait de façon à ce qu'on puisse jouer que en multijoueur? C'est possible, hein, parce que Plante vs Zombie, normalement, il y a, vous pouvez jouer à plusieurs, mais aussi en solo. Et ça faisait un accueil comme Call of Duty quand vous jouez en mode zombie, quoi. C'est, soit c'est en solo, vous invitez des gens, soit vous jouez tout seul. Ça, c'est pareil. Et j'avais bien aimé, mais bon. Là, le thème de la vidéo, c'est Titanfall. Ce n'est pas Plante vs Zombie, Garden Warfare. Puff, puff, puff. Le chargement est un petit peu long. Je ne sais pas si c'est ma connexion, si c'est le jeu qui charge. Quand même 50 gigas, c'est long téléchargé. Quoique, moi, ma connexion m'a vraiment surprise hier parce qu'elle m'a fait un truc. Mais d'habitude, sur le torrent, quand je craque un jeu pour après tester pour éventuellement l'acheter, quand je craque, si vous avez vu ma dernière vidéo, quand je craque un jeu, s'il me plaît, je l'achète. S'il me plaît pas, je désinstalle et voilà, basta. Il marche comme ça avec moi. Bref, et je sais plus ce que je disais. Après, avant le crack. Ah oui, voilà. Donc, quand je télécharge sur le microtorrent, je monte à 500-600 kilooctets par seconde. Je peux monter. En général, je suis à 200-300, mais 500-600, c'est quand je dors la nuit. Il y a que l'ordi qui est en route, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'autre ordi. Je suis à 500-600. Et étrangement, là, sur Origin, j'étais à 1,6 mots par seconde. 1,6 mots et je montais jusqu'à 3 mots. Donc je vous promets, j'étais vraiment surpris. Je me dis, mais mince, je suis pas de 500 kilooctets par seconde. Sur Steam, je suis à 200, 250. Origin, je suis à 1 mot. Non, bah c'est le multi. Ouais, donc ça. Bah voilà. Le mec avait pas trop à s'amuser, c'est moi quoi. Puis ça lague un petit peu pour le début du jeu. Oh, une pistolet qui vole. D'accord. Donc je crois qu'on va mourir très souvent dans la vidéo. Parce qu'il y a Fraps qui nous fait le malin là.
Non mais il fait pas apparaître quand... Ah, d'accord. Ça c'était un bot. Ouf! Oui, Scott, il y a des vrais joueurs et des bots. Et ça, il faut le savoir. Un vrai joueur! J'ai tué un vrai joueur! Alors, je sors mon arme anti-titan. Et je cherche le titan adverse. Ouf! J'ai tiré sur le titan, une belle grosse roquette. Attendez, je cherche à récupérer mon arme. Non, me regarde pas. Me regarde pas. Vous croyez que, vraiment que si je fais ça... Non, ça marchera pas. Bah non. Il m'a marché dessus. Est-ce que vous croyez vraiment que c'était dur? Voilà, bon, bon. Il m'a même pas tapé. Il m'a tapé. Enfin, il m'a écrasé. Bon, je largue mon titan. Comme ça, vous pourrez le voir. Non, mais monte dedans, voilà. Ouf. Oh, j'ai pas mal louché là. Il y avait un mec dans le truc. Là, il y en a un. Bon, je pense que vu le niveau du... Ah non, c'est un joueur. D'accord. Alors. Présence ennemie probable. Moi, je suis sûr qu'il y a des ennemis même. Alors voilà, tac, toi, tu meurs. Après, faut pas que je louche, hein. Ça, c'est autre chose. Alors toi, là, je sais pas ce que tu me fais. Toi, t'es un bot. Toi, t'es un bot. Tu fus un bot. Tu n'en es plus un. Tu es mort. Alors j'ai sécurisé C. La vraie cible qui m'emmerdait, elle vient de se casser. Un vrai joueur. Donc les vrais joueurs rapportent forcément plus de points que les bots. Là-bas, non, ça c'est un de mes alliés. Là, je cours dans tous les sens. Je ne trouve... D'accord, mon écran qui devient gris bizarre. D'accord, ouais, je viens de comprendre pourquoi. Bah, t'avais cru quoi, toi? Sale trou du cul, j'ai envie de vous dire. Bon, vous, vous êtes mort, hein? Alors là, il y a un spectre. Je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Au corps à corps. Faut pas que je louche aussi. Et si je marche dessus aussi, je le tue? Bah oui, je le tue. Il est où l'eau? Ah d'accord, il y a un titan là-haut. D'accord. J'avais pas compris ça, en fait. En fait, voilà, y a un titan voilà, qui me tire dessus, c'est bien ce que je pensais. Et il m'a eu. Ah non. J'ai réussi à m'éjecter. Au passage, vous verrez le beau gosse. Non, vous voyez pas le beau gosse. Non, j'ai pas eu le temps de tirer. Oui, c'est vrai que c'était pas trop dur ça, tu tires juste une balle. Non, non, pas trop dur. Ouais, parce qu'en fait. Pour moi, si vous voulez, c'est extrêmement dur parce que je n'ai pas l'habitude de ce jeu. En fait, ça c'est une tourelle, d'accord. Oh putain. Ça sent la campeuse. Bon, 1 minute 30, j'ai... Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Il se passe quoi dehors? Donc il y a un titan sur mon radar qui est affiché. C'est pas que ça lag. Attention! Non, 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 non! Pourquoi je suis plus bougé? Alors non seulement je louche, mais eux aussi ils louchent. Et c'est même pas un jeu. D'accord.
Je suis en train de me taper contre 3 mecs, puis lui il arrive normal. Donc, faut savoir que sur PC c'est pas forcément évident quand vous jouez pour la première fois. Et surtout quand vous jouez pour la première fois Titanfall, parce qu'il y a les rebords et tout, vous pouvez sauter. Ah, c'est des dents ça en fait, c'est un crâne. Attention, Titan là-bas, est-ce que je peux réussir à le verrouiller? D'accord, j'ai fait le plus gros louche de tous les temps. On va dire qu'on n'a rien vu, d'accord? Alors, je relâche mon titan. Parce que moi, je suis un gros bourrin. Non, vous pouvez pas me tuer dans mon truc. Bon, vous me faites chier les spectres. Je vous tue tous. Bon, là, face à ça, c'est les gros titans qui sont durs à résister, mais qui sont pas. Ah, je l'ai pas encore eu le titan! Vas-y, éjection, éjection, éjection. Oh, je l'ai touché en plus. Bon, voilà, je l'ai touché, mais voilà non plus, quoi. C'est pas. Mais c'est même pas le mec qui m'a tué. Ah oui, je suis con, c'est vrai! Quand on gagne. Une équipe, vous devez rejoindre l'avion. L'équipe qui perd doit détruire l'avion. Et tuer tous les joueurs. Ça, j'avais oublié. Donc en fait, j'aurais dû me casser au lieu de rester là. Et puis aussi, votre équipe peut rester là, malheureusement. Enfin, l'avion peut partir et vous êtes encore ici, quoi. Alors, ping, j'avais un ping de 629. D'accord. D'accord. Voilà, quoi. Donc j'espère que cette vidéo sur Titanfall en multijoueur qui n'était pas prévue vous aura plu. Alors, je suis passé niveau 2 même, oh là là. Élément débloqué. Combat rapproché. Oh, d'accord. Et puis voilà, début de voilà de l'autre partie dans voilà. Voilà. Donc on va quitter. Oui, je vais quitter le salon. Donc, le jeu est actuellement en promo aussi. Il est à moins 75% sur Origin. Donc, si ça peut vous aider, hein. Bah après, bah, je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que je vois pas qu'est-ce que je peux vous présenter de plus. Parce que si je vous fais une vidéo trop longue, ça va pas forcément vous plaire. Une vidéo trop courte non plus. Donc, je préfère, voilà, m'arrêter là quand même. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la, que ce soit en bien ou en mal, allez-y. Bon, après, si c'est pour dire ouais, fils de pute, j'aime pas, c'est complètement inutile. Je vous dis tout de suite, votre commentaire sera supprimé, parce que si c'est pour dire des conneries comme ça, ou pour insulter des gens, j'accepte pas ça sur ma chaîne. Puis si c'est, ah, super vidéo, derrière, il y en a un qui dit ouais, c'est connard, c'est de la merde. Critiquer des gens comme ça et dire insulter des gens dans les commentaires, ça j'aime pas non plus. Donc je vous préviens, ça sera supprimé. Et puis bah, je vous remercie d'être plus de 500 sur la chaîne. On est à 545. J'ai regardé hier soir, mais en ce moment je prends un ou deux abonnés par jour, voire même 4-5. Donc voilà. Je vous remercie, vous, de suivre mes vidéos, de toujours les liker et les partager, parce que je vois que j'ai toujours plein de notifications là-dessus. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine et puis allez bye.